Cher Thierry, cher Benoît, c'est un grand plaisir pour moi de finalement vous remettre en personne au nom de l'IFFT, notre award, le prix de l'année 2022, décerné à New York lors de notre briefing annuel en février de cette année. En tant que représentant de la société civile auprès de l'ONU, une de nos raisons d'être est de nous faire le porte-voix d'initiatives qui soutiennent et concourent au renforcement des familles à l'international, qui soutiennent les familles d'un fonctionnel, tant fonctionnel que dysfonctionnel. Comme nous avons pu le prouver par une recherche mondiale, les objectifs de développement durable des familles conduits dans les 5 continents, les familles sont des agents de premier ordre de développement social et donc centrale pour atteindre les objectifs de développement durable ou ODD du programme 2030 des Nations Unies. Ce programme, vont être validé par les gouvernements de chaque pays, constitue un consensus historique sur la manière d'atteindre des objectifs aussi importants que l'éradication de la pauvreté, l'acquisition d'habitudes bonnes pour la santé, une éducation de qualité pour tous, et l'apprentissage de l'égalité dans le monde actuel. Ainsi, la proposition de renforcer ou réparer les couples qui estiment avoir besoin d'aide en recherche de solutions, mais aussi de permettre aux couples qui se séparent de le faire dans les meilleures conditions possibles pour les enfants, nous a paru une proposition nécessaire dans un contexte marqué par les difficultés de vie croissantes pour la précarisation des familles monoparentales et les effets indéniables que vous avez pu calculer sur les enfants. Ces enfants sont les adultes, les citoyens, peut-être les parents des démons, et nous devons collectivement réfléchir à nous organiser le mieux possible. Soutenir les familles, c'est un objectif moralisateur, étant uniquement orienté vers les résultats souhaités par elles-mêmes, étant un impératif humaniste de soutien aux individus qui est bénéfique à la collectivité tout entière, ne serait-ce que pour une simple question de bonne gestion des deniers publics. Nous espérons que ce jour marque le début d'une collaboration fructueuse entre nous, afin que nous puissions apprendre de votre expérience dans les domaines des familles en France et que vous puissiez en apprendre plus sur notre travail et sur ce programme de développement durable dans le système nutrition. Merci beaucoup pour votre accueil et félicitations pour votre travail. Un grand merci à Ignacio. Un grand merci à l'IFFD. Nous accueillons cette récompense comme un encouragement magnifique à continuer notre action, à déployer d'autres maisons en France. J'en profite pour remercier toutes les équipes qui travaillent avec nous, qui sont au service très concret des couples et des familles. Et je souhaite que ce ne soit qu'une étape dans le développement du service aux familles par Familia et que nous aurons d'autres occasions de poursuivre ensemble ces actions au service du bien commun. Merci beaucoup.